fort bien mal, bonjour. Oui, monsieur, oui. Oui, c'est ça. Ah oui. Si je vous comprends bien, vous cherchez à provoquer une grosse sympathie publique autour de vous en dénonçant quelque chose de mal. C'est ça, de bien mal, là. Oui, c'est ça. Que tout le monde soit bien d'accord. Hein. Oui, ben, c'est une très bonne idée, ça, monsieur. Oui. Vous êtes artiste ou politicien ou... Non, non plus. Ah. Homme de communication? Oui, c'est ça. Enfin, écoutez, peu importe, hein, pour nous, c'est le même. Hein. Et donc, et vous pensiez dénoncer quoi, monsieur? La pédophilie. Ah, mais c'est très bien, ça, hein, oui. Pardon? Vous vous demandez si le domaine n'est pas un petit peu trop travaillé en ce moment? Oui, ça, c'est un fait, mais ça n'est pas une contre-indication, hein, pas du tout, hein. Vous pensiez à autre chose? Oui, à prendre position pour les mines antipersonnelles. Contre, ah, ben oui, contre, non, mais c'est ma langue qui a fourché, excusez-moi. Mais c'est une très bonne idée également, ça, monsieur. Comment? Ah, vous vous demandez si les mines antipersonnelles n'ont pas été vampirisées par Lady Di. Oui, mais écoutez, monsieur, là, je pense qu'il est utile que je vous fasse une petite précision. Hein. Il y a quelque chose qui semble vous échapper, hein. Écoutez. Tout le monde sait très bien que le mal, c'est mal, hein. N'empêche qu'on peut dire et répéter toutes les 3 secondes que le mal, c'est très mal, et avoir l'air très humain, très malin, très sympathique. Comprenez? Mais si, écoutez, dire que la pauvreté, c'est mal, que les maladies, c'est mal, que la corruption, c'est mal, que la faim, c'est mal, que les dictateurs, c'est mal, que les bombes atomiques, c'est mal, etc. Tout le monde est très bien au courant, vous savez, il n'y a personne qui vous contredira, hein, comprenez? Mais voilà, ça n'engage à rien du tout, ça ne change rien du tout, mais les gens aiment bien se l'entendre dire et à vous, ça vous conforte dans votre réputation et votre succès, si vous le dites. Voilà. C'est compris? Ben voilà, mais c'est rien du tout, dites. À votre service, monsieur. Au revoir, monsieur. Quand même. Dis, tu as vu la gueule du patron ce matin? Mais terrible, mais terrible, qu'est-ce qu'il avait? Une tronche jusque par terre. Dis. Moi, j'avais l'impression qu'il allait virer tout le personnel ici, hein. Il avait vraiment une mine antipersonnelle. Écoute, merde, on peut quand même pas rire de tout, hein, franchement.